Delgado Super Cubano, voilà, ça c'est le dernier album d'Isaac, qui est un des rois, un des princes de la salsa à travers le monde. Il nous vient de Cuba, mais il a arpenté toute la planète, les 5 continents. Et il joue demain, vous jouez demain ici à Montpellier. C'est une date unique en France. Unique concierto en France, en Montpellier, en la Sala Victoria 2. La salle Victoire 2. C'est ça, c'est le, ça sera le concert unique qu'il y aura en France dans la tournée européenne d'Isaac. C'est la seule date qui se ferait, ça se passe à la Victoire 2. D'autres lieux, faites-nous rêver là. Où est-ce que vous jouez ailleurs en Europe? Et donde tu vas tocar en notre partie d'Europe? Bueno, hemos estado haciendo una gira, llevamos un mes en Europa haciendo giras en Alemania, en España, en todo el sur de. Estuvimos en el sur de Italia. Y seguimos de gira hasta el próximo domingo en Barcelona también. On a l'affiche de votre, mais on va écouter également un petit peu de musique. Tim tam tum badaboum, c'est de la salsa. Regardez. Isaac Delgado. Isaac Delgado, vous êtes allé à Cuba faire ces images. Vous vivez où? À Cuba, à New York? Non, vivo en San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico, hein, on a compris. C'est bien ça, il vit à San Juan, à Puerto Rico. Et là, c'est à Cuba quand même, ces images. Eso es en Cuba, sí. Eso es en Cuba. Ouais, je reconnais. Il reconnaît, Jean-Claude. Oui. Ah, si, j'ai fait l'année dernière. Et c'est vrai que à tous les soirs à 18h, je ne sais pas si comprends. On va les traduire, cher Jean, vous allez à Cuba, dans n'importe quel petit village, vous avez la casa musicale, et puis et ils sont là, et ils jouent, ils ont tous des CD, ils ont tous des. Et puis il y a le petit verre de. Oui, ça, le petit verre, on se doute que ça, vous l'avez trouvé, le petit verre. C'est obligé, le cigare, obligé, le petit verre. Jean, il faut qu'il puisse traduire un petit peu. Ah, oui. C'est qu'elle était en Cuba, et il disait qu'elle reconnaissait en la vidéo. Porque cuando estaba ahí, es verdad que existe la casa de la música y la gente se va por la calle con la música, con su vasito de ron. Seguro que sí. Y aparte, si a 18h, hay el mojito y a 23h, hay el mojita. A las 6 es el mojito y más tarde es el mojitarde. No sé. Alors, un mot sur votre musique, évidemment, on l'a compris, c'est beaucoup de salsa. Mais c'est de la salsa qui se met au goût du jour. Hein, puisque vous rajoutez dedans des ingrédients différents. Ben c'est l'histoire de la salsa. La salsa, c'est la sauce, c'est différents ingrédients. On disait que tu eres artiste de salsa, mais en tu salsa, tu mettais éléments de más modernos, de sí. Ahora. Lo que estoy haciendo siempre es tratando de fusionar la música, tratando de poder agregar elementos de diferentes músicas, del mundo, de la música de Estados Unidos, de Europa, de todos los lados y hacer una música que le llegue a toda la gente. Parce qu'il essaie toujours de fusionner plusieurs styles de musique, donc style de musique cubaine, mais aussi des musiques de partout, de aussi bien américaine que latino, des éléments de différentes cultures pour un peu présenter cette fusion-là, quoi. Il est sur la fusion. Isaac, où est-ce que le public est le plus caliente, le plus chaud? El público, ¿cuál más público caliente, es más fuerte, dónde? Es más caliente, ¿de dónde es? Bueno, siempre en mi tierra, en Cuba, el público es increíble porque es muy bailador, pero hay un desarrollo muy grande de las escuelas de baile. Estaba comenzando. Gracias a los profesores, como sabes. En toda Europa y en el mundo entero hay un desarrollo muy grande. Y ya ayer fui a un sitio aquí en Montpellier y vi a los franceses bailando salsa. Impresionante. On a presque compris, mais enfin, vous allez quand même faire la synthèse. Le public voilà, qui sera toujours le numéro un, le plus fort, c'est celui de Cuba, mais à travers ses voyages. Bailando. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de danser. Voilà. Et à travers ses voyages, en fait, il a pu voir qu'il y a en Europe, ça commence à beaucoup se développer.
Et notamment hier, il a fait une petite sortie là, au Pulp, à la soirée de Jorge de Cuba, où il a pu voir plein de gens d'ici. Et qu'on dansait toute la soirée, qu'il dansait la salsa, etc. Et c'était juste un échauffement pour demain. Eso era un calentamiento para mañana. Sí, seguro, seguro. C'est sûr. Samedi 2 juin, demain, ne manquez pas la salle Victoire pour tous les fous de salsa et pour tous les autres aussi. Isaac Delgado, te dire, on va faire un petit bonjour à Isaac Delgado, fils, qui est là également. Regardez, on va chercher l'image, là, on va chercher avec la caméra. Oui, la caméra qui est là, on va aller le chercher. Regardez, il y a un t-shirt magnifique, il est là, bravo. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Choco, on ira vous voir, alors. On ira apprendre la salsa chez vous. On enchaîne avec les titres.